Il paraît que le loup est revenu. On n'en est pas sûr, mais on en parle au bistrot. On s'angoisse, on enferme les enfants, la bergère, ses charmes, ses chèvres et ses moutons. On élève des barricades, on dresse les miradors, on organise les tours de garde et les milices. On installe les caméras de vidéosurveillance à l'entrée du village. Déjà planent les drones. On charge le fusil, on aiguise les couteaux, on bombe le torse. Et on se demande quand même ce que fait la police. On veut en découdre. On tire, un beau soir, un peu au hasard, dans ce buisson qui frémit sous la bise. On fracasse le crâne du jeune Ayaki fraîchement réfugié en notre pays de Cocagne. Il meurt, très étonné. On se retrouve bien penaud. Pendant ce temps, le loup est passé par la porte de derrière. Il s'est installé au salon. Il a de l'expérience et du vécu. Son look est absolument romantique. Il séduit madame qui s'ennuyait quelque peu. Elle succombe. Il l'enlève. On n'a rien vu venir. Quel salaud, le loup! Il faudra encore tondre les femmes.